Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir à mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 septembre 2024. Les amis, soyez tous salués. Vidéo d'échange. Vidéo pour parler une fois encore de plus. Parler de notre leader. Parler du président Laurent Gbagbo. Je vais faire quelques partages. Je vous salue déjà, ceux qui se connectent. Je vais faire quelques partages et puis ensuite, on va commencer la vidéo. Voilà, donc soyez tous salués. Soyez salués, partagez la vidéo là. Parce que les gens disent qu'ils n'ont pas les... Je comprends pas les gens. Je comprends pas les gens. Je comprends pas les gens. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Et puis invitez nos amis. Je comprends pas les gars. Invitez, invitez, invitez. Invitez nos amis. Et puis on va se parler. Voilà. Inviter les amis. Soyez salués. Partagez. Voilà. Partagez, partagez. Partager la vidéo là. Je fais quelques partages et puis normalement ça devrait aller, hein. Il faut que je partage la vidéo là, hein? Les amis. Parce que les gars là. On peut faire ça. Vous voulez pas partager. Donc, moi, mais il y a la partager tranquille. Voilà. C'est tout. Ouais. Faut que je partage la vidéo là. Tiens, mes amis sont là. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc faut que je repartage tout ça là. Mais ça va aller. Ça va nous prendre 2 minutes et puis après on commence. Partagez la vidéo là. J'ai envoyé ça à tous mes gars là. Ah ouais.
Bon, c'est bon. Hop là. Ok. Soyez salués, les amis. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, mes amis. Dame Masso. Joyeux anniversaire. Ah, camarade de lutte. Cyril a dit on est ensemble. Chris Dassault. Cri-cri quoi. Balou Nathanaël, ça c'est quoi ça là? Moi je connais Balou Sombré. Rasti, tu te caches. Angela Bagou, on est ensemble. Merci Amel Ibas, mon ami depuis Abidjan, Madi Sankara. Soyez salués. Voilà. Koyo Tepe. Hé, hey, Brigitte, épouse Zoro, tu es là. Daniel Dimi, on est ensemble. Je salue la secrétaire. La secrétaire de tous les jours. Hé, 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 hé. Hé. Dame Masso, arrête tes bêtises là ici. Tu as pensé à moi comment? Moi, j'ai pensé à toi. C'est ton anniversaire. Je t'ai dit joyeux anniversaire. Quand j'ai pensé à toi. Conné Lydie. Hé, les fantômes sont là. Depuis l'Espagne. Hé, ma. Hé. Elle est espagnole, hein? Elle écrit en espagnol. Salut Mathéo, Adama. Cyril Zadi, on est ensemble. Baka Guillaume, Sylvain Iqba. Eh, hey, salut, hein, qui t'es ici là. Oh, vous saluez pas, vous voulez qu'on vous salue là. Salut, on va quitter ici. Françoise Aoto, depuis la Suède. Eh, hey, Françoise, tes bêtises là, c'est pas dedans. Hein. Les trucs, tu mouilles les gorges une fois en passant là. Je ne suis pas allé à ça. Françoise, prends le jeton chez le blanc là et puis on va s'arranger. Hé, hey, Dame Masso, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Lewinsky, je vais te bloquer. Oulaye, je vais te bloquer. Tu viens ici, tu ne me salues pas et puis c'est la secrétaire qui salue là. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Voilà, Oulaye, je vais te bloquer. C'est ta dernière vidéo que tu as regardée aujourd'hui là. Profite. Là, tu vas bien saluer la secrétaire. Comme c'est la secrétaire qui fait la vidéo là, tu vas la saluer. Hé, hey, les amis, je suis content. De quoi allons-nous parler? Évidemment, naturellement, bien entendu que c'est tellement vrai de chez vrai. Mais on parle de Babo. Frédéric Babo a parlé. C'est à cause de Babo on est ici. Ah, tu as intérêt à me saluer avant, hein? Sinon, j'ai été bloqué. Je salue Gisèle Kei. Elle est à Londres. Et puis, invité Lydie Bailly. La rouquine d'Opa. Hervé Villa, on est ensemble. Voilà. Je salue Willy Jo. De qui allons-nous parler? Naturellement, évidemment, on va parler de Laurent Gbagbo. Le seplou. D'ailleurs, c'est moi là. Yeri. C'est Grisio dans les camps. Mais 2025, là, mais Draman, ça ne va pas trouver Draman. 2025 là, ça va pas trouver Draman. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Ja, il n'avait pas gagné les élections. Mais il n'avait pas gagné les élections, c'est même pas fait déjà. Il n'a jamais gagné les élections. Draman. Draman n'a jamais gagné les élections. Ça, c'est une vérité vraie. Vérité vraie. Draman Ouattara n'a jamais gagné les élections. Goza de Yaïron ensemble. Évangéliste Jérôme Koukounion. Voilà. Donc tout le narratif, l'histoire bidon qu'ils ont donné aux Ivoiriens, au monde entier là, mais c'était faux.
Donc, Draman est un faussaire. Voilà la vérité. Draman est un faussaire. Lui et Nicolas Sarkozy et les bandes de truands là, c'est des faussaires. Ils ont, tiré nos parents cadeaux. Donc la vérité doit être rétablie. La vérité doit être sûre. Nous, on sait ça. Vous, les gars, là, vous savez ça? Partagez la vidéo là, qui était ici. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Vous voyez, ils ont commencé à faire ça en bizarre. Protégez la vidéo, partagez là. Assez de cœur. Baga Guillaume, on est ensemble. Nyakabil, mon doyen, sois salué, merci d'être sur le direct. Ok? Donc, on les regarde. Jacqueline Breca, ma soeur, depuis l'Italie, merci d'être sur le direct. On les regarde. Voilà. Donc, on dit c'est un pavé dans la mare. C'est là qu'on a pris le caillou, quoi, et puis on a mis dans l'air haut, là, comme ça. Blo! L'homme qui a parlé, là, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est quand même Robert, hein? C'est Robert qui a parlé, Bourgie, c'est grand quelqu'un, quelqu'un qui parle, hein, des présidents. Hein? C'est pas un gnafou-gnafou. Quand il parle, là, il parle. Il prend le nom des présidents pour parler. C'est grand quelqu'un. D'abord, on dit c'est avocat. Mais je vais faire une parenthèse, les amis. Je vais faire une parenthèse. Où est Guy Goba, soit salué. Nyakabi, Bouika, mon doyen, on est ensemble. Et Nyaziki, Bouika, pardon, mon doyen. J'ai fait une parenthèse, les amis. Une petite parenthèse, et puis on va continuer notre vidéo. Il y a des choses, il faut qu'on explique pour que vous compreniez. Souvent, les gens vous mentent. Hein? Parce que sur la toile, là, il y a des gens qui parlent gros, gros français. Gros, gros français, et puis vous emmerdez. Elle est gros, gros français. Oh, ouais, j'ai doctorat, j'ai fait école ici. J'étais ici, j'ai PhD, j'ai fait Manhattan. Hey! Mon frère, c'est compliqué, hein? Voilà. Donc, normalement, un intellectuel, là, c'est quelqu'un qui suit la vérité. C'est quelqu'un qui dit vrai. Il suit les vraies choses, c'est ça qu'on appelle un intellectuel. Il défend les vraies causes. Mais un intellectuel qui défend un criminel, un intellectuel qui défend des voyous, n'est pas un intellectuel. Ça, là, c'est une vérité. Il peut parler son gros, gros français, mentir. J'ai fait diplôme ici, j'ai fait université. C'est zéro, c'est un voyou. Ça, là, c'est ça qui est le vrai point. Donc, il y a un gars sur la toile, là, qui nous emmerde, il nous embrouille. On le regarde. Souvent. Mais parce qu'il est trop intelligent, parce qu'il est trop beau, parce qu'il connaît tout. Franklin Yamsi, cet imbécile, là. Ce Camerounais, là. On le regarde sur la toile. Mais, Franklin, il faut te calmer, il faut te mou. Il faut te blé. Nous, on te regarde pour deux causes. Parce qu'à la base, tu es un rebelle, tu es un voyou. Franklin Yamsi, tu es un voyou. Voilà ce que tu es. Tu es un mercenaire. On te regarde parce que tu es un chic Draman Ouattara. C'est pour ça qu'on te regarde. Sinon, tu n'intéresses personne. Tu es un voyou, Franklin Yamsi. Et parce que le président Laurent Gbagbo, notre président, notre guide, notre président, le fétiche, tu vois, quand on arrive sur ton affaire, pas toi, ben, tu es un vaurien. Quand on arrive sur Soro, tu as vu le président très blé, donc nous, on, toi, on te recoue un peu, on fait ça mou.
C'est pour ça que tu réagis là toi et puis tu te crois trop intelligent, trop instruit, trop. Non, tu es zéro, Franklin Yamsi. Tu es zéro. Tu es un idiot, Franklin Yamsi. Il faut qu'on te le dise. C'est important. Parce que souvent, ça ne sert à rien d'être hypocrite. Ça ne sert à rien. Et ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Franklin Yamsi, il faut qu'on te le dise. Parce que vous avez vous targuer, parler. Ouais, moi j'ai fait Harvard, j'ai fait université ici, j'ai fait ça. Eh non, on s'en fout de ça. Non, on s'en fout de ça. Parce qu'on ne peut pas défendre une fausse cause. Un rebelle. Soro Guillaume là, c'est un tueur. Soro Guillaume lui-même, son mentor, dans sa sale gueule de rebelle là, il dit, c'est Blaise Compaoré qui est son mentor. Mais Blaise Compaoré là, il est où aujourd'hui? Il est zéro. Zéro de chez zéro. Et il est dans la poubelle de l'histoire. Donc Soro n'est pas un modèle. Donc Franklin Yamsi, quand il parle là, hey, quand tu arrives sur Gbagbo là, ta sale langue là, il faut mou. Sinon on te dit ton vrai nom. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Et voilà, il faut qu'on te le dise. Peut-être tu as trop tendance à faire l'hypocrite là. Et voilà. Gbagbo Laura là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Et tu es bien placé, tu peux aller dire ça à Soultoussoul. Soultoussoul, elle va te donner les nouvelles de qui est Laurent Gbagbo. Toi, tu es un plaisantin. Tu es un mercenaire. C'est parce que ça a mal tourné, yeah, avec Draman, qu'aujourd'hui, là, vous êtes comme des papillons. Sinon, si la tontine avait bien tourné, là, mais c'était un drama, non? Après, c'était le président Bédier, non? Après, ça allait être Soro Guillaume. Hier, là, c'est toi le même. On connaît tes vidéos. C'est ici la toile ici. Draman est intelligent. Draman est beau. Draman est ceci. Draman est cela. Vous avez avancé. Soro Guillaume, là, il est comptable du bilan des droits jusqu'en 2019. Parce que nous sommes un parti politique et puis on respecte nos leaders. C'est pour ça qu'on tait certaines choses. Sinon, c'est après, tu es trop intelligent. T'es bourré de crâne là, ça n'intéresse personne. Il faut qu'on te le dise, Franklin Yamsi. Donc il faut te mou. Sinon ton vrai nom là, on te dit ça. T'es rien. Franklin Yamsi, t'es rien. Parce que les Goebbels, c'était des intellectuels, ils étaient à côté d'Hitler. Ils sont partis dans la poubelle de l'histoire. Un intellectuel, c'est pour suivre les vraies causes, pas pour suivre un rebelle, un criminel. Voilà ce qu'on vous dit. Si Soro, il est fort. Si Soro, c'est lui qui a mis Ouattara là, mais n'est-ce qu'à l'enlever? Nous, on va l'applaudir. Son je vous offre le pardon là. Nous, on va se coucher, on va marcher chez nous. Donc, hé, hey, Franklin Yamsi, il faut te mou, hein. Et toi, tu es un opportuniste notoire. Tu n'es pas panafricain. Mais, au niveau de l'AES là, elles sont dans leur coin. Si tu vas vers eux, ils ne vont pas te rejeter. Ça, c'est ça qui est le vrai point. Donc, il ne faut pas trop te jouer les dangereux. Mais toi-même, là, tu es en danger. Et voilà. Et c'est toi, on n'a rien à apprendre de toi. Et tu ne peux pas être plus ivoirien que nous, ivoiriens. Un moment, là. Eh, hey, faut te calmer. Le Cameroun est là, hein. Il y a beaucoup de problèmes au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Donc, il faut te mou. Franklin Yamsi, il faut te mou. Voilà. Et t'as ton petit message. Si tu vois qu'on te regarde là, c'est à cause de Laurent Gbagbo que nous on te regarde et puis on blé. Sinon toi là, on te massacre si la toile. Tu n'es rien. T'es personne. Ton intellect est zéro. Tu es un idiot. Parce que tu suis un criminel. Soro n'est pas un modèle. Soro là, il ne peut jamais être un modèle. Voilà ce qu'on te dit. Voilà. Et hier là, vous étiez Draman. Vous étiez Draman. C'est pas Draman là, il a coupé. L'argent là, il a coupé ça. C'est pour ça que vous êtes là. Sinon, tu as moyen là de la rébellion, plein.
C'est ça qui est le vrai point. Donc, il faut te très court. Sinon, on te voit. On peut bien te répondre. Voilà. Mais on regarde la direction de notre parti. On regarde le président Laurent Gbagbo. On regarde nos responsables. C'est pour ça qu'on fait comme on ne te voit pas. Voilà. Donc, c'était ton petit message. Sinon, là, on a les arguments. On est mille fois plus intelligent que toi. On est mille fois plus intéressant que toi. Franklin Yamsi, tu es une merde. Voilà. Il faut la fermer. Et ça, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, l'appel de Benoît. Et puis, ce que Robert Bourgie a dit là. Et Adama. Ja, vous n'avez pas gagné les élections. Mais on avait dit ça hier. Tous les gars qui sont là, ils savent ça. On dit, il y a des nouveaux. Oui, c'est pas nouveau. Mais la nouveauté, c'est que cette fois-ci, là, c'est Robert qui dit ça. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Parce que hier, Mathieu a dit ça. La secrétaire a dit ça. Mon ami Yalson a dit ça. Chris Dassault a dit ça. La belle Céline Boli, elle a dit ça aussi. Que Laurent Gbagbo a gagné les élections. Wobrou. Tous les gars, ils ont dit ça. Moi, je dis là. Ah, on dit que. On dit bon. On dit c'est Libanais. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent bon, c'est pas bonbon blanc, c'est Libanais. C'est Libanais, donc c'est. Bon. Tout ça, c'est blanc. Blanc, c'est blanc. Donc, c'est blanc qui est venu parler. Mais c'est pas un faux blanc. Père, c'est un blanc qui parle à un président. C'est un blanc qui parle à un président. Et il paye costume de quelqu'un qui veut devenir président. 7 000 euros, 10 000 euros costume. Aïe! Donc c'est les vrais costards. Quand tu es dedans, quoi, ça te prend. Père, c'est. Comment on appelle ça même? C'est sur mesure. Là, on prend ta taille là, ben bon. Puis on fait ça comme ça. Et puis, le truc là, quand il pleut même là, l'eau là, ça touche pas le tissu. Ça coule comme ça et puis c'est repassé en même temps. Non, c'est pas beau, oh, Adoka frère, les friperies. Je vois mon ami Yasson, il s'en paye. Ces petits vestes bizarres à la porte de Montreuil là, pour m'effrayer. Et on dit, François Fillon là, lui porte veste, 10 000 euros. Et c'est un gars. Il n'est pas reconnaissant. Ils sont allés mettre son cul au néant. Tiens, on a mis 10 000 euros dans ton poids. On met 10 000 euros dans ton poids. Comme tu es allé en prison, on commence à t'appeler, tu ne prends plus ton téléphone. Mais on va aller dire aux gens qui t'habillent. Donc, Dramane Ouattara, tu n'as pas gagné les élections. Et le président Gbagbo l'a dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections là. Mais c'est lui qui envoie les troupes. Venez, on va récolter. Vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. Ah! Blanc dit que vous n'avez pas gagné maintenant. On fait comment, Adama? Donc, 2025, là, je vois des gars. Oui, Est-ce que Gbagbo peut être président? Mais Gbagbo est président. On dit affaire du monsieur là. Il y a Dieu dedans. Mais pendant le procès, il y a des gens qui étaient découragés. Est-ce qu'il va vraiment sortir? Est-ce qu'ils vont le libérer? Et est-ce que les gens sont là-bas, ils parlent. On dit, le monsieur, ils vont le libérer. Il n'a rien fait. Tu peux pas garder un innocent comme ça. Tu n'as rien fait. Et ils sont obligés de le libérer. Ils l'ont libéré. Adieu. Il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je salue ma chérie, j'ai accueilli. On dit, il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Dit, ah bon? Donc, Gbagbo ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est le Mossi qui va s'asseoir dans notre pays. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je salue Lydie Kogouri. Pourquoi vous faites ça? Gbagbo va rentrer dans son pays. Et lui, là, c'est un garçon. Courage. Quand il donne sa date, là, il dort.
Il a donné sa date le 17 juin 2021. Et puis il a genre, nous tous on a vu, entrée triomphale médiatisée. C'est Gbagbo Laurent. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Nous, on lui pose question. Oh, Gbagbo, tu vas partir. Oh. Faut laisser affaire les politiques là. Oh. Faut Ouattara, faut. C'est rentré ici. Oh, 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 oh. Il dit, je vais faire politique. Jusqu'au quand. Parce que c'est pas quelqu'un qui m'a mis dans politique. Ouais. Mais pour mettre BIM même là, il a créé PPACI. Parce que bon, le camarade Pascalino, il a pris le FPI en bris, il dit donne pas. On dit, hey, Pascalino, faut pas faire ça, le vieux est fatigué, on va aller vite. Pascalino dit non, il donne pas. Bon, Pascalino prend. On dit, ça a pris la mère et Pascalino dit, il est en parlant avec ces gars là-bas, mais bon, Pascalino, nous on sait ça déjà. Nous, on a vu ça. Il a créé son parti politique. Des gens au parti politique, depuis 2015, même dans prison, là, mouvement de soutien est devenu parti politique. Et, oh, ils n'ont pas récépissé. Oh. Moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Ça me dit ça, là, je n'ai pas de problème. Bon, oh, il y a des gens qui sont sortis. Oh, on ne m'a pas marié, oh, Pitri Patra. Pitri Padra, on m'a pas marié. Oh, 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 oh. Hey! Nous là, on a fait un yaga de ça durant des années. Et puis la petite femme là, elle a mis bim, elle a attrapé Marie là comme ça, clic là, et puis marié lui comme ça, fort. Marié pas à la mairie, marié lui pas à l'église. Non, on est quitté dans ça. On est clair dans ça. Bon, votre parti politique maintenant, vous y avez fait là. Les petits mouvements de soutien pour faire oh, oh, là. Bon, on dit c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Bon, on fait comment? On fait comment? Mon ami Yassol Cross, on fait comment? Est-ce qu'il y a lieu que vos partis existent? Parce que le narratif là, ce qu'on nous a raconté là, c'est faux. C'est Gbagbo qui a gagné les élections. Donc vos partis politiques là, ça sert à quoi? La secrétaire, tu peux répondre à cette question là? La secrétaire, tu peux répondre à ça? On dit Gbagbo, il a créé son parti politique, le PPAC. Vous étiez là, vous tous, non? Ce qu'il dit là, c'est faux. Ives, depuis La Rochelle. Eh, mon doyen, Kou Darus, on est ensemble. Queen D, soyez salués. Serge Bantou, Tobé, on est ensemble. Je salue, je vous salue tous. Ce qu'il dit là, c'est faux. Affaire de ce monsieur-là, Gbagbo que vous voyez là, il a bras, il a tête, il a yeux, il a nez, la bouche, il a pied, il respire, il fait comme nous. Tout ce que nous on fait là, il fait ça. Mais son affaire là, c'est pas comme pour vous. Gbagbo que vous voyez là, c'est pas l'homme. Le monsieur là, c'est l'esprit. Tu peux rien faire contre lui, tu peux rien créer. Tu t'amuses à attaquer Laurent Gbagbo là, tu prends des bains. Et je vous dis ce soir là, samedi 28 septembre 2024. Le président Laurent Gbagbo, le Woody de Mama, le Seprou, Gbagbo Laurent, que les Ivoiriens aiment fort là, il va redevenir président en Côte d'Ivoire. Écrivez ça, retenez ça. Les pessimistes, les gens qui ne croient pas, qui croient, nous on est des fous, des rêveurs là, vous allez voir ça. Ça là, c'est ça qui est noir. Le reste là, c'est des distractions. Quittez les dents. Le juge Kuno là, c'est vous qui avez dit à Kuno n'a qu'à libérer Gbagbo. Le juge Lanango là, c'est vous qui, vous le connaissez avant. Libanais là, qui est venu parler là.
Robert Bourgi, là, vous le connaissez avant? Mais là, ça tremble. Ce que Robert a dit là, mais c'est gâté. Il s'est gêné à Tiana, c'est gâté dans les camps. On dit Ouattara n'a pas gagné l'élection. Aïe. On dit, mais qui savait ça? Il dit, tout le monde sait ça. Sarkozy, c'est ça. Toute la France au courant, les journalistes au courant, Ouattara même au courant qui n'a pas gagné. Soro Guillaume, le criminel Soro Guillaume, il sait que Ouattara n'a pas gagné les élections. Et c'est ça, toi, un bougnéfié, toi, Franklin Nyamsi, c'est toi qui te dis les intellectuels pour dire, ouais, comme Soro dit, PDCI plus RDL, là, si les deux se mettent ensemble, là, ça veut dire qu'ils ont gagné. C'est ça qu'on appelle intellectuel, là. Mais toi, tu es un connard. Tu es un connard. Ça aussi, ça qui est le vrai point. Un intellectuel, là, il va à la source. Et puis, il creuse. Et puis, il n'y a plus rien qui est. C'est il est à la racine. Mais tu parles comme un bête. Et à cause de l'argent, parce que c'est l'argent, vous suivez. À cause de l'argent, tu viens embrouiller les gens sur la toile ici. Et puis, nous, on te regarde. On te regarde à cause de Gbagbo Laurent. Pas parce que tu es intelligent, pas parce que tu es intellectuel. Non! Tu es un bougnoul. Voilà. Mais tant que tu peux mettre Bimsi Draman là, nous, ça nous va. Ça, c'est ça qui est le vrai point. Donc, les amis, partagez la vidéo là. Je salue Marcel Krabwe, le docteur. Voilà, Inda, PPACI, on est ensemble. Partagez la vidéo là, permettez une minute et puis je vous reviens. Partagez, allez partager. Voilà, je suis au Diossi, hein. Je suis au Diossi. Donc partagez la vidéo là. Vous partagez pas. Yves André Yaoubi, on est ensemble. Soyez tous salués. Voilà. Bien salué mes gars. Vous savez ici là. On salue tout le monde. Joachim Debé, comment tu vas, camarade de lutte, on est ensemble. Salut ton père pour moi. Voilà. Soyez salués. Ives, on est ensemble depuis La Rochelle. Voilà. Lydie Kogoui, partagez la vidéo là. La voisine, comment tu vas? Djepa Nyandoum, la voisine. Hey, la voisine. Le boss Timothée, on est ensemble. Divine Baye, sois salué. Voilà. Et salut Lydie Kogouri. Quindi. Vincent de Paul Bourg, depuis les States. Voilà, mes amis, sont aux États-Unis et puis ils souffrent. Clément Guisseri, on est ensemble. Voilà. Nicole Angéline, Blizoré. Hey, ça, c'est les femmes gourous, là. Vraiment. On fait ça comme ça. Odette Seri. Eh, Bruno Zier. Regarde les Bruno Zier en caché. Regardez, on peut faire ça. Comment il s'appelle là? Gaba Guillaume. Moi, Franklin Nyamsi va me laver. Mais est-ce que lui et moi là, lui et moi, on a le même niveau? Tu crois que c'est parler plat. Nous, on parle. Et puis, vous êtes des habitués, c'est vous qui écoutez. Vous êtes des personnes intelligentes. Franklin Nyamsi, lui là, il peut me dire quoi? Lui est rebelle. Lui, son mentor était rebelle. Ils étaient avec Draman hier. Ah!
l'anglais va me laver. Mais moi, je suis un pro babo. Je n'ai jamais bougé. Il peut me laver où? Il va me laver où? Il va me laver où? Faut m'expliquer ça. Parler pour parler? Parler pour dire quoi? Il va me laver pour dire quoi? Je n'ai jamais bougé. Mais d'un iota. Je suis un gars. Et je suis fier d'être un gars. Et celui qui fait le son s'appelle Laurent Gbagbo. C'est pas quelqu'un. On parle pas de son mentor, Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est un lâche, un fuyard. On sait pas où il est. Je vais faire asseoir Ouattara, je vais lui donner conseil là. Tiens, à quel niveau est ça? Mon asile est fini, tiens, à quel niveau est ça? Tiens, j'ai pas caché au Niger ou au Burkina ou au Mali, ils sont en train de te donner l'air pour que tu grossisses. Franklin Niamsi peut me dire quoi? Gaba Guillaume. Quand il met rien là, il n'a qu'à commencer. Il a le laisser sur Facebook propre. Tu es allé réciter, créer des faux mots, venir parler le propre français, ça que quoi? C'est vide. Il faut qu'il y ait de la substance, de l'intelligence dans ce que tu dis. Voilà ce qu'on dit. Moi, je suis un gars, je suis un pro babo. On n'a jamais changé. Voilà mon mérite. Je suis cohérent dans ce que j'ai fait. Et là, ils étaient Draman Noir hier. Ils étaient Draman, c'est Draman le leader. Lui, celui qui suit là. Celui qui suit s'appelle Soro Guillaume. Soro Guillaume a pour leader. Celui que Soro Guillaume dit l'aime le plus dans le monde là, il s'appelle Blaise Compaoré. Rien moins d'un faussaire comme ça. Blaise Compaoré, il est où aujourd'hui? Voilà. Donc, il va me laver par rapport à quoi? Si tu me vois sur Facebook, que je le regarde vite fait et puis je glisse. C'est par rapport à deux choses. Parce qu'il insulte Ouattara. Parce qu'il est contre Ouattara. Et par rapport à la position de mon parti, de mon président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ouais, il faut que Soro rentre. Pour que la démocratie qu'il a installée, on puisse faire ça ensemble. Il faut que Soro rentre. Et les partisans de Soro là. Quand il prend les soules tout suite, il court pour aller demander pardon au président Laurent Gbagbo. Lui, Franklin Niamsi, il a quoi à me dire? Lui et moi, là, on joue dans la même. Mais vous, là, même là, vous ne vous prenez pas au sérieux. Hein, Guillaume? Quand tu le réel, puis me réel, on est pareil? Ah! Il n'a qu'à commencer. Il y a le laisser. Il y a le laisser sur Facebook. Il y a dit, ça sera son terminus. Mais demande aux gens ici sur Facebook. J'ai pris des gens. J'ai dit qu'elle les prend quoi? Eh bien, il dit ouais. Ah, l'adversaire, il est il est solide, il est robuste. Eh, c'est Mathieu, ça rigole pas, hein. Si il dit paix, on commence là. Tu vas voir, tu as lu l'heure, tu vas apprécier. Mais c'est qu'on dit là, il y a de l'intelligence dedans. On ne parle pas pour parler. Voilà ce qu'on dit. Franklin Niamsi, il suit quoi? Franklin Niamsi, il suit quoi? Il suit quoi? Il suit l'argent? C'est Franklin Niamsi qui a parlé des Ivoiriens, plus qu'Ivoirien lui-même. Mais on est où là? Mais on est où? On est où? Ou bien le fait qu'il ait la nationalité ivoirienne parce qu'il a marié de nos soeurs là, ça fait de lui plus ivoirien que moi? Ah, Guillaume, pourquoi tu fais ça? Guillaume, pourquoi tu fais ça? Mais est-ce qu'il invite Franklin Niamsi à parler un peu du Cameroun quand même? C'est pas mieux? Franklin Niamsi, il est plus ivoirien que moi? Un souffrant qui est venu là, que la Côte d'Ivoire a lavé là? Hé, hey, frère, lui-même là, la partie de la vidéo, qu'il va regarder là? Non, il va taper l'air dessus. Oh, Dieu connaît bagage. Oh, laissez ça. Dieu connaît bagage. Agadigui, on est ensemble. Dieu connaît bagage. Mais on a passé autre chose. Nous, on a la fin des Dramani. Donc, ceux-là, ils ne peuvent plus nous distraire. C'est plus possible. Voilà. Lui-là, il ne peut pas nous distraire. Ils sont là tout le temps. Ouais, Gbagbo a fait ça. Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo n'a pas tué. Gbagbo n'a pas envoyé des rébellions en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas tué. Gbagbo est la victime en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité.
Et la souffrance des Ivoiriens, là, c'est le président Laurent Gbagbo qui porte ça. Et dans cette crise-là, celui qui donne l'espoir aux Ivoiriens, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et il est attendu par les Africains. Voilà la vérité. Ce n'est pas Soro Guillaume qui va sauver la Côte d'Ivoire. C'est pas le PDCI de, je ne sais pas là, on quitte dans Mossi et puis on va dans Sénégalais qui va sauver la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit. Et c'est poignant. Et ça touche les Ivoiriens. Voilà ce qu'on dit. Frère Niamsi, c'est qui? Camerounais. Parce que tu as eu la nationalité ivoirienne, tu es plus ivoirien que nous les Ivoiriens. Mais c'est quoi? Mais on est où là? On est où? On est où? Voilà. Donc, lui là, il n'a qu'à se mou. Ah, il n'a qu'à se. Yeri, il n'a qu'à se trekou, il n'a qu'à blé. Sinon, si ça fait payer là, Yeri, lui, il va dire l'heure. Par exemple, on prend mentor de chacun et puis on voit chacun a fait. Soro Guillaume lui-même là, il connaît. Il connaît qui est Gbagbo. C'est le bon petit de Gbagbo. C'est l'arrière, ils ont suivi, ils sont allés se jeter dans la rébellion. Oh. Elisabeth Zango, c'est comment la grande eau, on est ensemble. Voilà. Donc, partez la vidéo, je vais saluer les cachés, regardez. Parce qu'il y en a plein. Les cachés, regardez. Mais, je salue ma chérie, elle s'appelle Pauline Taï. Hey, c'est quoi ça là? Elisabeth Zango, c'est quoi ça là? Devant tous les. Tu dis ici ton chéri. Après, tu dis bonjour, cher ami. La nuit là, c'est bonjour, c'est bonsoir. Moi, je suis ton ami aujourd'hui. Mais faut y parler en divorcé vis-à-vis devant les gens, puis en quittant dans ça. Qui est ton ami? Elisabeth Zango, je suis ton ami aujourd'hui. Hein? Et puis la nuit, là, où on fait vidéo, là, bonjour, là, ça quitte où? Eh, faut bien écrire. Hein? Elisabeth, tu es quitté en Côte d'Ivoire, là, il faut bien écrire. Hein? Si tu as un gars là-bas, tu es parti en Afrique, en Côte d'Ivoire, si tu as un gars là-bas, il faut écrire ça ici. Alors? Ah, c'est mon chéri et puis mon ami là, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. C'est dans ça que, c'est dans ce combat là on est, non? Chris Dassault. C'est dans ce combat là on est. Et l'Ivoirien, le mieux placé, le yéré, authentique, c'est Laurent Gbagbo. Il est de Gozo, il est né à Gagnoa. Qui connaît pas Gagnoa? Qui connaît pas Gagnoa? Qui connaît pas Gagnoa? C'est de ça qu'on parle. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Aux vrais Ivoiriens. Aux Ivoiriens, yéré, comme Elisabeth Zango. Elle est Ivoirienne, elle est gourou. Et puis elle est fière. Puis c'est une belle femme gourou. Voilà. Et pas les Franklin Niamsi, André, chef là. Tu le vois, tu vois qu'elle parle gros mots là, gros français. Ça qui est quoi même? Gros français, mais c'est quoi? Parler gros français, ça qui est quoi? Tu emmènes les gens. Laurent Gbagbo, président, icône. Laurent Gbagbo, esprit. Il parle intellectuel. Il parle français. Tout le monde comprend. Tout le monde a envie de l'écouter. C'est ça un intellectuel. Tu n'es pas venu payer le gros français, personne ne sait de quoi. Tu emmènes les gens, tu ennuies les gens. On fait quoi ça? L'intellect, c'est d'aller prendre papier des blancs et puis venir expliquer ça à tes parents pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. C'est ça un intellect. Est-ce que c'est tout le monde qui doit faire gros français? C'est tout le monde qui doit avoir gros français. C'est tout le monde qui doit être médecin. C'est tout le monde qui doit être juge. C'est tout le monde qui doit être avocat. C'est tout le monde qui doit être industriel. Dans un monde, il y a tout. Mais l'intellect, là, il doit se faire comprendre par les intellectuels et par ceux qui ne sont pas intellectuels. C'est ça, un intellectuel. Des vauriens en plus. Ils sont pour des causes perdues, suivent des criminels, là. C'est ça qui est intellectuel, là. Mais tu es un voyou. Voilà ce qu'on leur dit. Donc, ça ne nous fait pas peur, ne nous font pas peur, au contraire, on a pitié d'eux. Mais c'est comme tu as une, comment on appelle ça, une bougie.
quand on allume la bougie, c'est pour la mettre sur la table pour qu'elle puisse éclairer. C'est pas pour la mettre sous la table. Donc tu peux pas être un intellectuel, tu peux être un bougnoul. Suivre de l'argent, suivre un imbécile. Tu n'es pas un intellectuel, tu es un idiot. Voilà ce qu'on dit. Et c'est clair. Voilà. Dans les amis, Laura Gbagbo là, le seplou, le woudi de maman là, hier, les Ivoiriens vont danser. Les Africains vont danser pour bientôt. Il y a du feu, tassement. Du feu dans le cuit de Ouattara. Là où on s'est parlé, du feu dans son cuit. Hier, c'est que le monsieur l'a dit là. Aïe. Vous ne pouvez pas voir la profondeur de ça. Le goût de ça. Mais on les regarde. Ah bon? Donc, ils n'avaient pas gagné. Ah, donc vous avez tué les Ivoiriens pour rien. Donc vous avez massacré les Ivoiriens pour rien. Ah, mais il faut que les responsabilités soient situées. Les gens sont morts. On fait comment? Vous avez changé la vie des gens. Vous avez volé les terres des gens. Vous avez envoyé des gens en exil. On fait comment? C'est ça. Donc, c'est pas venu nous distraire hein, les blés boudés, les nirpétés là. Les conneries, les blés boudés là. C'est pas ça. Ah, j'ai pardonné. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Les responsabilités doivent être situées. Qui a fait quoi? Ah, si Laurent Gbagbo a gagné les élections, parce qu'il a gagné les élections, Ouattara fait quoi à la tête de la Côte d'Ivoire? La rébellion là qui a tué les Ivoiriens, qui a divisé le pays là. Mais il faut que les rebelles répondent devant la justice. C'est dans ce combat là on est. Donc un Camerounais là, c'est pas lui qui va venir nous parler comme si nous sommes des bougnoules. Non, Camerounais, il va laisser ça. Voilà, nous on aime le continent. On est avec le continent. Mais à la fin là, on se préfère au Adama. À la fin là, on se préfère Zarathoustra, on est ensemble. À la fin là, on se préfère bien même. Voilà. On se préfère. Et on le dit avec tranquillité. Et quand on parle là, c'est ça un intellectuel. Tu dis des choses lucides, claires, ça touche, ça parle aux gens. Il n'y a pas papier. C'est pas écrit. C'est ça un intellectuel. C'est ça le président Laurent Gbagbo. Quand le président Gbagbo s'exprime là, vous avez vu, il lit le discours. Mais c'est cohérent. Pam, pam, pam. Quand il finit de parler, on dit, président, toi aussi. On est assis à terre, on est assis par terre, on a mis paille, on a mis natte. Il faut parler quand demain. Il faut nous instruire sur la Côte d'Ivoire. Parle-nous de ce qui s'est passé de maintenant, de demain, de son après, demain, de son avant, avant, demain, de son arrière, demain. Il faut nous parler, président, c'est trop doux. Parce qu'il est en symbiose avec le peuple. Parce qu'il est fils du peuple. Il connaît le peuple le connaît. C'est ça, un intellect. C'est pas aller bosser les gros mots dans les dictionnaires, venir nous distraire. Voilà, il est là, le docteur Marcel Kragbe. Vous avez vu, il fait bruit. Mais le Bogasako, j'y vais. Dès qu'il parle, moi, la Bogasako, je suis le docteur Bogasako. Hé, docteur Bogasako. Un docteur là, il habite le rôle. Il joue le rôle. Mais si tu es un policier, tu es un tailleur. Tu es une vendeuse. C'est quand tu fais ton métier, puis on lui dit, ah, voilà un policier. Voilà un vrai policier. On dit, tu es docteur. Quand tu fais ton métier, puis tu fais bien ton métier, on dit, voilà un bon docteur. Mais c'est pas toi qui as crié devant les gens, je suis docteur, je suis docteur. On dirait que tu n'es pas sûr de ton affaire, là. Ton affaire, là, on dirait que c'est un peu bizarre, c'est compliqué. Faut jouer rôle. Quand tu as bien, on dit, ah, lui, là, c'est un prêtre. Mais c'est qui fait, là? Il fait l'affaire des prêtres. C'est ça, un intellectuel. C'est pas venu, c'est... J'ai tel diplôme, on s'en fout, parce que les diplômes, on peut les tricher. Les diplômes, on peut les voler, on peut les acheter comme les blés boudés.
Parce que pour lui, il pense que, en disant, ouais, j'ai un PhD, j'ai acheté un diplôme en Tunisie. Il croit que c'est ça qui va faire que, oui, comment on appelle ça? Elisabeth Zaho va te respecter. Elle s'en fout de ça. Parce que c'est une femme intelligente à la base. Diplôme ou pas, en gaba. Viens lui parler. Et puis c'est clair dans sa tête. Elle va te suivre. Mais tu vois que c'est quand tu as dit, ouais, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Suisse, j'étais, je sais pas moi, au Danemark. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Parce que ceux qui viennent écouter Mathieu là, derrière là, il y a un ministre, il y a un intellectuel, il y a un non-intellectuel, tout le monde, et puis tout le monde assis. On dit pas, ouais. Hé, hey, vous là, les vougnafiers, quittez là. Ça, c'est pas pour vous le discours que tout le monde est servi. Tout le monde est content. C'est ça un intellectuel. Il rassemble. Il parle à tout le monde. Parce que son discours est médian. Les gens écoutent. Les gens entendent. C'est ça un intellectuel. Mais des intellectuels de paille. Parce qu'ils suivent l'argent. Ils suivent l'argent. Et on va prendre les Niamsi. Il était à 2 vues là. Parce que maintenant là, il peut mettre TikTok, Facebook, YouTube. Dans la là, ça parle. Le gars il se croit, hein, ça babe de merde de bouc là. Il croit qu'il est important. Mais si tu étais si important, ton Cameroun là souffrait. Il y a difficulté au Cameroun. Faut dire pardon à Paul Biya. Et puis tu rentres, tu vas aller aider Paul Biya. Parce qu'il est très vieillissant. Dis mon vieux, pardon, je t'ai insulté, je reconnais. Voilà mes vidéos. Pardon, mais je dois t'aider. Tu peux aller aider ton Cameroun là. Il y a trop de souffrants là-bas, des grands bassins ivoiriens comme ça. Hmm? C'est vrai, tu as marié notre soeur. Mais tu n'es pas de toi plus ivoirien que nous. Tu ne peux jamais plus ivoirien que mon ami Laurent. Jamais. Parce que lui, il est né ivoirien, authentique, hier, il n'a pas payé. Oh. Vous avez fait parler les gens ici là. Oh, toi tu es quel bon vendeur de plagali. Toi tu vends quel bon plagali. Divine bye. Toi tu vends quel bon plagali. Hein? Flocon 1 après Flocon 2, Adama. Je salue la femme du président Laurent Gbagbo. La femme du président Laurent Gbagbo. Elle s'appelle Nadi Bamba Gbagbo. Je salue cette femme-là. C'est ça qui est le vrai point. Parce que quand ton papa est content là, hein, il veut ça si la maman est contente, les enfants aussi sont contents. Donc la famille, on est content. C'est ça un intellectuel. C'est clair, c'est limpide. Mais la maman aime bien le papa. Le papa est content, maman est contente. Mais les bébés là, les enfants sont contents, non? Donc comme nous on voit le vieux, il est heureux, il est content. On dit merci à la femme du vieux. Et c'est ça là, c'est mauvais. Et c'est ça là, c'est mauvais. Donc, je salue la femme du vieux. Ah, Flocon 1 appelle Flocon 2. Mon frère, là, où on est là, il faut saluer, oh, pour prendre position. Oh. Peut-être demain, on dit, ah, mais c'est pas Mathieu qui m'a salué là. On dit, mais c'est Mathieu. C'est même Mathieu qui t'a salué là. On dit, ah. On dit, ouais, Mathieu, viens attraper mon sac ici. Je sais que tous les Elisabeth Zaho là, oh, jalousie, oh, c'est Mathieu qui attrape ça. Mais quand je parlais là, toi tu venais, au lieu, la nuit, on te dit bonsoir, tu dis bonjour. Tellement tu es mélangé. Bon, mon ami Laurent, bon, il va commencer à parler son faux français. Mais moi, je suis en train de saluer. Mais hey, regarde ma vidéo, écrivez, saluez là. Mais vous là, vous ne faites pas diplomatie. Oh, moi, je vois loin. Donc, les gens passent moi et salut cadeau. Karen a dit, on est ensemble, camarade de lutte. Merci d'être sur le direct. Je vois loin. Et c'est les salutations, on connaît. Je salue la femme du vieux. Elle s'appelle Nadi Bamba Babo, mon frère. Bientôt, là, nous, on a attrapé sac. Ouais, déjà attrapé ça, ils ont mangé. Et ils m'ont attrapé ça. Oh, ils ont attrapé ça, quoi. Ils ont attrapé ça, quoi.
où les gens cherchent. Ouais, moi, je cherche un directeur au port, je cherche un directeur à la BIS ici, je cherche un directeur ici. Moi, il entend me mettre ici à la douane pour voler, mon ventre va gonfler, tout ça. Hé, moi, je m'en fous de ça. Moi, là, je suis attrapé des sacs. Attrapé des sacs. C'est tout. Et c'est pas sac, sac bizarre de la voisine, Djekpa Nyandou, son sac est déchiré, déchiré. L'autre fois, elle dit d'arrêter son sac, elle dit, Mathieu, je n'ai pas l'argent là. C'est pas son sac qui a attrapé. Hein. Moi, je n'attrape pas son sac. Voilà. Il attrape sac de la femme de mon papa. Un sac lourd. Et Adama. Oh. Ah, Babou, non, type là, j'ai dit son affaire est trop doux. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas aimer Babou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut qu'il ait le courage de rentrer chez lui pour se battre. Son affaire là est doux comme ça, Babou. Et où les gens pensent qu'ils ont éteint le monsieur là, ils sont en train de réveiller maintenant. Mais ils passent doucement comme ça. Et puis ils plantent les choses et puis ils bougent. Ils passent ici, ils bougent, ils passent ici. Et puis un matin, quand ça fait boum! Et dit, Draman a chaud, Draman a chaud, Draman a chaud. Draman, tu n'as pas gagné. Dramino, tu n'as pas gagné. C'est Blanc qui a dit ça. Tu n'as pas gagné. C'est versé. C'est ici France 24. TV5 Monde, c'est versé. Draman, tu n'as pas dit que tu n'as pas entendu. Tu n'as pas gagné. Il m'a gagné là. Voilà. Dans votre narratif, votre mensonge là, c'est à l'eau, via pas. C'est versé. Waouh, André Ouagadougou. Yeri, on fait ça bien. Draman, tu n'as pas gagné. Hein? Regardez, c'est. Ah! Koudou, Koudou, c'est un esprit. Tu n'as pas compris ça, la secrétaire. Yeri, un matin, ça a fait bim. Yeri, c'est un esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est comme l'air, le vent. Le vent, l'air. Ça te touche. Tu sens le vent, l'esprit. Mais tu ne sais pas le vent d'où il vient. Où il va. Ça fait vivre. C'est comme ça. Ouais, bro. Koudou, l'esprit. Il n'est pas tout. C'est Gbagbo Laurent. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Yeri Blanc la sort. On dit, mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Il dit non. J'ai remords. J'arrive pas à dormir. On dit, ah bon, comment ça? Non. Je suis, ah non, je suis fatigué. Hein, il y a des secrets, je ne peux pas mourir, ça. Je suis vieux, je suis un doyen. Est-ce que je suis un enfant? Ouattara n'a pas gagné. On dit, ah bon? Ouattara n'a pas gagné. Il dit, oui, oui, oui. On dit, ah d'accord. Mais, je réveille Bibo S avec Ouattara n'a pas gagné. Mais, le vieux, le son là, le volume là, il faut faire, il faut augmenter. Il faut augmenter, il faut augmenter. Tu as parlé ici, France 24, va sur TV5. Et puis, il dit, il a écrit livre. Quel livre là? Il y a Papo dedans. Ah, Koudou. Ouais. Laurent. C'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Tu as fait à ce monsieur là. Si tu t'en sors là. Non, c'est que toi. Hey, demande aux rebelles. Demande à ces voyous là. Faut demander aux rebelles. Il dit. Les plus chanceux là. Ils seront en exil.
Ils vont boire. Les moins chanceux là, ils vont vous taguer. Ils vont mettre sous la terre. Et ça s'est appliqué comme ça. Maya. Et tu vérifies, on dit, mais le président, mais ça là, tu avais dit ça il y a longtemps. Bon, mais Sandré, c'est venu ici. On trouvait ça là. Ça a venu ici. Ce que tu as dit avant, voilà, on trouvait ça ici. On dit, oh bon, les plus chanceux. Voilà les rebelles qui rasent les murs, du jamais vu. Les soultousouls qui portaient le cercueil du président Laurent Gbagbo, il fait sa vieille mère. Président, pardon. Président Gbagbo, pardon. Bon, on dit, laisse tomber, mon fils. Vous n'avez rien compris. Vous portez plus boubou. Vous là, vous portez pas boubou. Vous avez vu? Les Ouattara là sont où? Qui parle de Ahmed Bakayoko? Ambak. Qui parle d'Ambak? Amadou Cimetière. Qui parle de ceux-là? Il y avait un gars là, écrivait son nom ici. Le gars dit, si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, lui là, Ouattara a déjà jugé Gbagbo condamné 20 ans de prison. Comme eux, ils ne pourront pas attraper l'armée d'Ozo, là, les Dozo là, ils ne pourront pas attraper Gbagbo. Lui, il va aller l'attraper pour le mettre à la macaque. Écrivez son nom ici. Hein, quittez ici. Esprit Semene, sois salué, camarade de lutte. Écrivez son nom là, je vous dis la suite. Écrivez son nom. Karen l'a dit, on est ensemble, camarade de lutte. Isiaka Diaby. Il dit, lui, il va attraper Gbagbo Laurent. Lui, et puis les microbes, les nyambros là. Il va attraper Gbagbo et puis ils vont le mettre à la maca. Mais là où on ne sait pas là. Isiaka Diaby est où? Isiaka Diaby a mouru là. Mais Isiaka, tu n'attrapes plus Gbagbo. Tu peux attraper un esprit. Tu peux attraper le vent. Isiaka, tu vois que tu n'es pas sérieux. Si tu as fait au président Laurent Gbagbo, parce que c'est un oin de Dieu. Il a une mission pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a une mission pour les Africains. Et la mission va s'accomplir. C'est ça la prophétie. Elle va et elle doit s'accomplir. Et Malachi, le prophète Malachi, allez-y revoir ce que Malachi avait dit. Gisèle Oulé, on est ensemble, camarade de lutte. Marie Galante, DJ, soyez saluée. Et salut Bawokone. Brigitte, épouse Zoro, je suis en Jaé, tu connais? Je vous salue tous. Je salue Hervé Guégué. Je salue tous mes camarades de lutte. Je salue ma chérie Cho Abayo. Cho Abayo. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue Virginie Kouo. Je salue mon ami Alson Cross. Je salue Chris Dassault. Et je salue la belle Céline Boli, la productrice de Balou Sombré. Balou Sombré lui-même a t s'engager. Artiste engagé. Et ça là, c'est ça qui est le vrai point. Et les gens, beaucoup travaillent dans le noir. Ils font pas bruit. Et ici là, on va vous expliquer les choses. On va faire monnaie. Il ne faut pas qu'il va vous mentir. Venez parler ces gros mots français. Je suis intellectuel, j'ai doctorat, j'ai PhD. Tout c'est zéro. On n'a pas besoin de ça forcément pour être heureux dans la vie. Ce n'est pas ça qui fait qu'un homme est heureux ou bien une femme elle est heureuse. Ce n'est pas ça. Jamais de la vie. Voilà. On a besoin de bonnes personnes. Des vraies personnes qui aiment les vraies choses. Pas des corrompus. Des intellectuels de paille. La paille, là, c'est rien. C'est quelque chose qu'on brûle facilement, on jette. C'est rien.
C'est rien. Un intellectuel doit défendre une cause juste. Une vraie cause. C'est ça un intellectuel. Mais tu es dans le faux. Comme un intellectuel. Tu peux défendre un rebelle. Mais comment tu te sens dans ton corps, dans ton âme? Tu es un faussé. Tu es un faussé. À la base, tu es un idiot. Ben, c'est indéfendable. C'est quoi? Le monde là, c'est le bien. On met devant, c'est pas le mal. C'est le bien. Ben, pour faire le mal là, tout le monde fait peur le mal. Tout le monde peut faire. Mais le bien, est-ce que tout le monde peut faire du bien? C'est ça. Parce que devant le mal là, il y a des gens qui sont prêts à rendre le mal. Oh, devant le mal là, qui peut rendre le bien? C'est ça la différence. C'est ça Laurent Gbagbo. Regardez-moi sous ces va-nu-pieds là. Même Draman. Gbagbo, il a pitié des Draman. Parce que Gbagbo lutte pour Draman. Draman même n'est pas au courant que Gbagbo lutte pour. Parce que c'est un ignorant. Mais Draman, c'est un togo-togo. D'ailleurs, lui, il n'a même pas fait les PhD, tout ça. C'est son cul, il va mettre son dehors bientôt. T'as lui là même là. Je ne sais pas ce qu'il fait au FMI là-bas. Mais c'est des préfabriqués. C'est des gens qui sont les blessés et puis on leur donne les faux diplômes pour mentir. Un intellectuel qui ne peut même pas parler sans que les gens écrivent son discours. Tu n'es pas un intellectuel. Tu n'es pas un intellectuel. Un intellectuel, il parle. Parce que tu parles avec tes tripes. Et les gens doivent sentir ça. Tu es en connexion avec les gens avec qui tu parles. Ça leur parle. Mais tu lis. Peut-être ce que tu as écrit ou ce qu'on a écrit là. Ça ne parle pas aux gens. Mais souvent, ça ne vient pas de toi. C'est des gens qui ont écrit pour toi et puis tu viens, tu lis. Donc, ça n'impacte pas, ça ne les touche pas. Mais quand tu parles avec tes tripes, sans te tromper, c'est cohérent. C'est ça un intellectuel, c'est ça qu'est le président Laurent Gbagbo. Il est en symbiose avec les Ivoiriens. Il n'a pas besoin de parler. C'est ça le vrai point. Je salue mon frère Chaka Zulu, on est ensemble. Bilance. Je salue Lili Boukan. Ta Laurent Zorobi, on est ensemble. Donc on est à la fin de notre combat. Regardez, 2025, ça risque de ne pas arriver. Eric, 2025 là, ça arrive de ne pas arriver. Mais n'empêche, nous on se prépare à toute éventualité. Mais c'est ça le combattant. Il ne se laisse pas surprendre. Toutes les éventualités, c'est pour ça qu'on dit aux Ivoiriens. On vous dit à vous, mais c'est vous les Ivoiriens, de parler à vos parents, votre entourage. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Aidez les gens à s'inscrire sur la liste électorale. Nous sommes la diaspora. On peut, avec nos mêmes moyens, on peut. Parce qu'on doit chasser Ouattara. Il ne sert à rien, il n'a pas gagné. Il s'accroche pour rien. Ils ont mis son cul au dehors. Il ne peut pas sortir, ni lui, ni son régime. Ils ne peuvent rien démentir. Parce qu'on ne dément pas la vérité. La vérité, elle est là, elle est implacable. Tu peux pas. Soro Guillaume lui a dit non. Que moi, Soro, j'ai fait une rébellion. Le père, le bénéficiaire de la rébellion, là, c'est Draman Ouattara. Mais autrement dit, c'est Draman qui m'a envoyé. Donc, le père des voyous en Côte d'Ivoire, là, c'est Draman Ouattara. Mais, comment il s'appelle là, Robert? Bougie vient de dire ça, que Ouattara n'a pas gagné. Donc tout ce qu'il y a eu là, comme dégâts en Côte d'Ivoire, le responsable, le père, c'est Ouattara. Et on demande à la CPI là de se presser pour ouvrir les enquêtes vite vite. Ouattara a trop tué, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on l'arrête, lui et son régime, lui et ses mandats, les Sarkozy et consorts là. Les Dominique de Villepin, tous ceux-là, il faut qu'on les arrête.
Et ils ne pourront pas s'en sortir. Parce que vous ne pouvez pas tuer des innocents. Le sang des innocents, là, ça va demander justice. Et c'est dans ce combat là on est. Un combat de justice, de dignité, de souveraineté. Donc, ce n'est pas un intellectuel, quel que soit ce que tu es. Si tu ne suis pas une bonne coach, tu ne peux pas être nous. Tu es trop petit dans notre affaire. Dès qu'on a commencé à te laisser sur la route, on te laisser au bord du goudron. Les Ivoiriens, les Africains sont lucides, ils sont intelligents. Ils savent qui est qui. C'est parce que. Et puis la preuve. Vous voyez les gars là. Nous on n'a rien contre les soroïstes là. Mais les soulets de Paris, les groupes là. Ils font les vidéos 2000 vues, 4000, 5000 vues, 100 000 vues en direct. Mais sous les départs, tous les jours, on dit il y a Soro qui a prouvé là. Et Ivoirien, sortez, allez encourager Soro. Il y a personne, ils sont deux. Mais les gens qui rient, ils sont où? C'est les Chinois qui les rient ou quoi? Les 10 000 vues là, c'est qui? Franklin Nyamsi, il est empêtré dans les problèmes là avec, je ne sais pas moi, l'État français. Mais quand il va au tribunal, il y a combien de personnes? Il n'y a même pas 10 personnes. Mais il a au moins 3 téléphones devant lui. Facebook, YouTube, comment on appelle ça, TikTok, partout. Ouais, il parle. Ici, il y a 2000 personnes. Ici, il y a 6000 personnes. Bon, là, en direct, on est 10 000 personnes. Mais quand il y a un problème là, ils m'ont dit 10 000 personnes. Bon, laissons 10 000 personnes. Au moins 100 personnes peuvent venir te soutenir. Ils ne seraient pas 10. Vous voyez, le virtuel, ça blague les gens. Ça blague les gens. Donc, moi, je n'ai pas besoin de faire des démonstrations. Je sais que vous êtes des femmes, des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Mais de temps en temps, on doit rappeler ces choses-là. C'est important. Donc, les amis, soyez serrés. Ce combat, le combat de la Côte d'Ivoire, le combat du président Laurent Gbagbo pour la dignité, la souveraineté, ce combat-là, vous l'avez gagné. Le président Laurent Gbagbo a gagné son combat contre la France. Il a gagné. Et il est balèze. Et c'est ça là qui est le vrai point. Et quand il voit un idiot comme Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, quand tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Mais ton idiotie là, ça nous fatigue. Ton idiotie, Charles Blé Goudé, ça nous fatigue. Parce que après et avant tout, tu restes un frère. Mais un frère idiot, il faut qu'on lui dise qu'il est idiot. Tu ne peux pas comparer Nelson Mandela au président Laurent Gbagbo, je suis désolé. Ce n'est pas la même chose. Nelson Mandela, c'est un homme du 20e siècle. Le président Gbagbo, là, le début du 21e siècle, l'entrée, il fait mal sale, il fait grave. Le président Gbagbo a gagné son procès. Nelson Mandela a négocié son procès. Tu as vu, ce n'est pas pareil. Le président Gbagbo a gagné son procès. Nelson Mandela a négocié sa sortie. Le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, en Afrique. Retour triomphal, médiatisé du début du 21e siècle. Ce n'est pas Blanc, ce n'est pas Yaya. Le président Gbagbo est planétaire. Mais il est calme. Parce qu'il est fort, il connaît sa force. Et ici, là, le président Gbagbo va venir ici, en France. Ça a été annoncé par Kone Katina. Le président Gbagbo va venir en France. Ce jour-là, il n'y a plus parlé à vous. Il y a des gens comme ça. Sylvain Dazilion, on est ensemble, joli garçon. Patricia, désert, boss ou bossé, on est ensemble. Et voilà. Dans les amis, affaire avec Gbagbo là, si on rentre dedans là, on parle qu'à demain. Bien sûr, on aussi. Hein? Mouiller ma gorge, vous mouillez pas. Et les gens m'appellent, ouais, Mathieu, ça fait 2 jours que tu ne fais pas de vidéo. Ça fait 2 jours que tu ne fais pas de vidéo. Ah bon? Vous avez besoin de vidéo? Aïe, 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 aïe. Je vous salue tous, les amis. Je vous salue tous. Merci à vous tous pour votre combat.
Voilà. La lutte continue, hein. La mobilisation reste intacte. La détermination au beau fixe. Personne, aucune distraction. Personne ne doit vous distraire. Et personne ne peut vous distraire. Voilà. Les gens voulaient nous envoyer dans des chantiers bizarres. Des histoires de foyers, de couples. De ceci, de cela. Oui, 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 que. Ça, c'est quoi ça? C'est ça qui est combat là. Le monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo, il porte une vision. Une vision. Pour son pays. Pour son continent. Vous voulez nous distraire? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Voilà. Non, merci, mon ami Alson Cross. Depuis ta position, on est ensemble. Je salue la secrétaire de tous les jours parce qu'elle fait un boulot de fond, un grand boulot. Je salue Chris Dassault, fidèle des fidèles. Et je salue la belle Céline Boly. Les amis, c'était moi, toujours avec la même détermination. J'ai dit, la même sagacité, la même envie, la même détermination. Et ce combat-là, Thierry, on le fait pour nos parents morts, on le fait pour nous-mêmes, et puis on le fait pour nos enfants. C'est ça. Personne, et ne vous trompez pas, hein. Dieu ne commence pas une affaire, et puis vous laisse au milieu du gué. Dieu ne laisse pas quelqu'un au milieu de la route. C'est Dieu, non. Il commence à être, et puis il finit à toi, en beauté, en propreté, en pureté. Dans ce combat-là, Thierry, oh, Yeri, ça a fini. Yeri, vos cœurs là. Dieu va calmer. Dieu va vous apaiser. C'est ça qui est le vrai point. C'était moi. Toujours au peigne. C'est Mathieu. Ici là, c'est du sang faux fuyant. On dit les choses là claires. C'est du sang faux fuyant ici. Voilà. Mireille, Otto, on est ensemble. Lili Kogouri. Soyez salués, merci à vous tous. Merci, partagez la vidéo là. Voilà, partagez. Daniel Dimi, merci pour tout. Et t'as Laurent Zorobi, mais Zorobi, même télévision d'avant là. Quand ça arrive minuit là, ça fait tchrrrr. Hey, soyez salués, on est ensemble, ciao.